Allez Mathieu, c'est bien Mathieu. Allez Fabien, tu remontes, allez. C'est là, c'est quelqu'un qui a sauté. Il y en a qui va le faire. Allez Mathieu, allez. Allez Mathieu. Allez, c'est le premier celui-là.
Conserver donc cette place de deuxième. Il y a toujours une centaine de mètres d'écart avec Clément Russeau. Il y a donc à la troisième place. Belle course. Donc Gabriel qui est en cinquième position. Francis Mouret qui est à la sixième place. Et juste derrière, on avait donc Lucas Dumont qui était l'un des meilleurs à Gerland. Nous avons ensuite Gicchio qui passe donc en position 6. Et puis derrière, on attend le reste du groupe. On rappelle bien évidemment les grands partenaires avec un retour dans un coin instant avec Clément Venturini. Voilà, il s'est retourné et il aperçoit Steve Chenel. Elles se sont battues là. Steve Chenel en deuxième position, Clément Russeau à la troisième place. Ah, le podium est bien établi. Le troisième, allez rechercher donc Steve Chenel, va être difficile. Alors que vous à la cinquième place. Et Mathieu Boulot donc en sixième position. Voilà les passages devant nous, 4, 5 et 6. Adson Gabriel le disait, la forme revient au fil des compétitions. Donc de Dubon en septième position. Voilà le passage de Lucas Dubon à la cinquième place, à la huitième place. On a le passage donc de Yvon Gicchio, le coureur du Vélo Club Pays de l'Oudéac, en huitième de Gilles, qui a été 8 fois champion de Pologne, qui est donc à la 10e place champion du monde, avec la remontée donc à la 11e place maintenant. Donc, il rentrait dans une barrière. Donc, vous avez vu passer devant vous. Alors que nous vivons les dernières minutes. Allez, Mathieu. De cette épreuve. Un grand merci à ceux qui passent devant vous. Clément Venturini, formidable vainqueur. Voilà, vous continuez d'applaudir au moment où il en termine. Formidable vainqueur de l'épreuve, le sport de l'équipe, comme qui s'impose. Et on attendait Steve Chenel, remarquable deuxième. Voilà le grand lorrain, donc de Saint-Étienne du Remiremont, qui termine à la deuxième place. Et Clément Russeau, retenez bien le nom de ce jeune athlète, champion de France espoir, quatrième des championnats d'Europe et cinquième des championnats du monde. Francis Mouret termine quatrième à la cinquième place de Jean Cadré, qui a été deux fois champion de France, et en sixième position de Jean-Claude également. Et l'arrivée donc de Mathieu Boulot qui termine en Dubon, qui en termine maintenant donc le coureur de Bazancourt, Reims, Lucas Dubon, qui a été excellent gérant d'arriver également. Donc de Yvon Gicchio pour le Vélo Club Pays de l'Oudéac qui intègre le top 10 et le sprint entre Gilles et Jameson à la lutte l'un et l'autre. Oula, c'est trop loin de la ligne. Moi quand même que le Polonais a peut-être Miguel Martinez à la lutte ici donc avec Galeux le Corbel qui devance Miguel Martinez de derrière. Nous avions donc l'arrivée de Bart Utiersman de l'équipe Flanders. Voilà l'arrivée des coureurs pour entrer dans les points. On rappelle qu'il y a des points qui sont catalysés à l'UCI. L'arrivée là de Clément Bonne. Et derrière, nous avions donc Joshua Dubot qui franchit la ligne d'Adivier. Un coureur qui a brillé lors de l'épreuve de Gerland, où il a été l'un des meilleurs et qui arrive avec Kevin de Tadoua qui lui fait le sprint. Voilà pour les arrivées. David Menu, qui est peut-être en train de se dire que le menu était coriace aujourd'hui. Donc, David Contasimo qui, voilà, Francis Mouret va rejoindre le podium. Également, les séquences dédicaces arrivées de Michael Prisma, qui a versé. Voilà, Thomas Beauclerc, la Thierry Adam, Cyril Dimard va être des nôtres également. Je crois qu'on peut applaudir tous les coureurs. Qui en termine, Yannick Martinez, a été battu par son frère. Miguel, donc, il a raté les performances sur la route. Il a gagné au Tour du Téhéranais, il a gagné au Rhône-Alpes Hiver Tour. Il a connu le podium dans les manches de la Coupe de France au milieu des années 70. Il y en a qui vont me dire que j'étais pas né. Mais moi, je connais bien Napoléon et je n'étais pas né. C'est pas une excuse. Donc, Nicolas, c'est vrai, il a pris la retraite. Hein?
Vous votez pour moi si je fais passer ça.